Putain, quel bordel. Thank you.
C'est mort ici. Non, pas maintenant! Des antibiotiques. Je trouve des antibiotiques. Ça pourra servir. Ça devrait le remettre sur pied. On pourra se tirer d'ici, partir au nord, comme il voulait. Deacon St. John, tu me reçois? Dick, c'est Ricky, à toi. Fais chier, je crois qu'elle a pas de tuer. Salut Ricky, c'est Dick, ça arrête pas de couper, je t'entends pas. C'est Dick, ça arrête pas de couper, je t'entends pas. Dick, t'es où? Il faut que je...
Jackie, désolé, j'ai pas le temps, là, tout de suite. Attends, c'est Deacon. Toi, et toi, remontez la route. Faites gaffe qu'ils reviennent pas. Grouillet. Tu l'as trouvé? J'ai trouvé ce qu'il en restait, ouais. Ce qu'il en restait? J'ai entendu des coups de feu, qu'est-ce qu'il y a? Un accrochage avec des Reapers. Mais j'ai bien géré. Ah ouais, t'as géré? Qu'est-ce que... Waouh. J'aurais dû m'en douter. De quoi tu parles? Putain, Ricky, qui assure la sécurité? Tu sais quoi? Je me pose la question chaque jour qui passe. Je me tire d'ici. Tant mieux. Alors qu'est-ce que tu viens faire là? Ce que je fais là, Dick? Adi m'a envoyé te chercher. Pourquoi? Bon, une minute, c'est bouseur, c'est ça? Aucune idée. Faut y aller. Qu'est-ce qu'il a, bouseur? Tout ce que je sais, c'est qu'Adi m'a dit de te trouver. En me renseignant, j'ai appris que Skizo et toi veniez par ici. Je comprends mieux pourquoi. Je vois pas de quoi tu veux parler. Le site du crash. Le matériel médical. C'est un secret pour personne, Dick. Iron Mike négocie avec Cardos pour partager la moitié avec les Reapers. Oh, conneries! Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est des conneries! J'étais là! La soute est déjà à moitié vide! Les traces qui tendent le site du crash vont toutes vers le sud! J'ai affaire à ces enfoirés de Reapers depuis des mois! On peut pas se fier à eux! Tu parles comme Skizo. C'est lui qui t'a mis sur le coup. Il t'a parlé du site du crash, hein? Ah, ouais, super! Maintenant, tu me prends pour le larbin de Skizo! Je me trompe? Et dans ce cas, comment t'as su? Un drifter, du camp de Copland. Tu l'as dit toi-même, c'était un secret pour personne. Ouais, c'est ça. Ça fait des mois que Skizo cherche une excuse pour attaquer les Reapers. C'est une belle coïncidence que tu me fais mâcher le travail. La dernière fois que je t'ai vu, avant l'hiver dernier, t'as envoyé Iron Mike se faire foutre parce qu'il voulait pas te payer pour ramener les survivants. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ouais, je m'en souviens bien. Iron Mike a dit qu'il voulait rien avoir à faire avec des esclavagistes. Ok. On n'a jamais forcé personne à nous suivre. Et Tucker? Tu peux en dire autant? Je sais pas. Tu t'es jamais dit que quand t'abordes un survivant qui crève de faim, qui n'a pas dormi depuis plusieurs jours, il est si vulnérable qu'il cherche même plus à échapper à des types comme toi? Tu t'es jamais dit qu'ils n'avaient pas le choix? Ça t'a pas empêché de les emmener à Hot Springs et d'empocher tes crédits? On a tous le choix, Deacon. À nous aussi, ça nous coûte beaucoup d'accueillir ceux qui ne peuvent pas travailler et gagner leur compte. Franchement, estime-toi heureux qu'Iron Mike soit pas comme toi. William, William, si tu m'entends, je te demande de te calmer! Adi, qu'est-ce qui se passe? Bouseur! Attends, aide-moi à le tenir. Putain, qu'est-ce que tu fous? Tu fais quoi, là? Je t'en prie, il faut le faire sans perdre une minute. Tu plaisantes?
Oh non. Deacon. Non, non. Deacon. Non, c'est hors de question, pas question. Je peux pas Deacon, te laisser lui faire écoute-moi. Ça. Écoute-moi. Les antibiotiques lui ont sauvé la vie. Mais il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour son bras. Écoute-moi. J'ai besoin de ton aide maintenant. C'est ça ou tu regardes ton ami mourir. Ok. On est en train de le perdre. D'accord. Très bien. Ok, ok. Allez, viens. Hé, hey, mec. Hé, hey, frérot. Écoute, il faut que... Ah, tiens-le. Tiens-le ici. Okay. Tiens-le. Dick. Dick. Ok. Dick. Tiens-le fermement. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. C'est pas vrai, on va le perdre. Non, 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 ça biche le sang. Il faut arrêter là, il biche le sang. Passe-moi la compresse. Ok. Boozer, tiens bon, mec, tiens bon. Tiens-le. Allez, où ça? Où je dois le tenir? Tiens-le juste ici, garde la tête froide et tiens-le. Eh, tu t'en es bien tiré. Quand j'étais au lycée, je me souviens, je savais pas si je voulais être ingénieure en mécanique ou chirurgienne. J'aurais peut-être dû être chirurgienne. Oh. Et toi? Ouais, ouais, c'est bon. T'as sauvé ton ami, tu sais. Ça m'étonnerait qu'il voit ça comme ça. Moi, je pense que si. Il faut que j'aille installer sa perf. Je sais pas où t'as dégoté tout ça, et je préfère pas le savoir. Mais ça sauvera beaucoup de vies, Deacon St. John. Beaucoup de vies. Je vais aller aider Adi. Mike, reste tranquille. D'accord? Deacon! Sors de là! J'ai appris ce que t'as fait. Je pouvais quand même pas le laisser mourir. Mike, laisse tomber. C'est fait. Je le sais bien, bon sang. Boozer va s'en tirer. J'en sais rien. Mais les Reapers t'ont vu et t'ont suivi. Quand Carlos apprendra tout ça, il va nous le faire payer très cher. Carlos peut aller se faire foutre. Toi, tu mets sans cesse en danger la vie des autres. N'empêche pas de dormir. T'as fait ce qu'il fallait. Mike! Je travaillais pour la SPA. J'avais un petit bureau dans un chenil, dans la banlieue de Sistance. Je devais avoir une centaine de chiens. Deux secondes. Ah!
t'aider? Non. Hé. Hey. Hé, Blair, comment va? Beau matos. Ouais, sympa. Ah, ok. À plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Hey, j'ai vu Boozer l'autre jour. C'est ton pote, non? Putain, c'est quand même chose qui lui est arrivé. Ouais, on peut le dire. Il paraît que c'était des Reapers. C'est vrai? Ceux qui lui ont fait ça, je veux dire. Oui, c'était des Reapers. Écoute, on peut éviter de parler de ça. D'accord. À plus. Avec deux autres gars, on a incendié un nid il y a quelques semaines. Un nid dégénéré. Tu vois, il y en a une qui est sortie. Une beuglarde, je crois qu'on les appelle. Bah crois-moi, elles méritent bien leur nom. Sur nous. On s'est enfui en quatrième vitesse. Une seconde. Voilà. Porté volontaire pour rester dans le coin et aider le camp, mais mec, tu refuses de bosser pour Schizo. Hey, grosso merdo, ouais. Bon, je peux pas t'en vouloir. En tout cas, j'ai que toi sous la main. Alors passe à l'atelier de mécanique. Ouais, j'ai du boulot pour toi. Ouais, ça roule, terminé. Je voulais juste te dire que je suis désolé pour ce qui est arrivé à Boozer. Ouais, sûrement pas autant que lui. Écoute, Paddy voulait juste que tu saches que si tu lui avais pas apporté le coup de... Déconne.